match franco-africain tant annoncé avait lieu. Benjamin Schocker qui a fait quelque chose de très grand. Allez, je fais l'idée, messieurs. À chaud. Alors, Benjamin, petite question que je vous pose. C'est la première fois que je viens ici à Arnaud. Je suis déjà venu pour faire les inters. D'ailleurs, j'avais mis des baskets légères, donc là, cette année, j'ai vraiment pris des points parce que ça me manquait quand je fais les inters. J'étais peut-être venu une fois même pour le prof, mais ça fait très très longtemps. Avant du coup, ce parcours, on parlait de Mère Alexis, vous savez, les jeunes parlent de ça. Avant les Europes, un bon galop d'essai, un bon parcours. Vous pouvez discuter dans le calendrier, peut-être. Ouais, bah, il est super bien placé. Moi, en plus, je reviens de stage du Portugal avec l'équipe de France, donc je suis un peu fatigué, mais c'est un peu grand pour placer aujourd'hui pour voir où on était. Sauf qu'il y a un peu flatté, donc on se permet vraiment de voir où on est. Alors, en vous demandant les ambitions pour cet hiver qui démarre et cette saison cross-country. Bah, la semaine prochaine, c'est le cross de Londres, c'est se qualifier pour les Europes. Et puis, bah, sinon, on visera les forces de cross. Et là, c'est vraiment un coup, vous êtes sous vos applaudissements, Benjamin Schocker, qui s'est imposé donc dans cette épreuve. Alors, j'ai Félix Gour.